Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une bourse et c'est la bourse de la France, voilà. Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur la bourse de France parce que vous savez déjà que en ce qui concerne les admissions en France, la plus grande partie des universités, c'est quoi? C'est Campus France, au moins à 80%, c'est Campus France, voilà. Vous devez passer par Campus France pour pouvoir avoir ces admissions. Mais aujourd'hui, je suis là, comme je vous ai dit, c'est à peu près 80%, mais il y a aussi des universités qui sont en même temps avec Campus France et aussi qui sont en même temps de façon individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir les admissions en France, voilà, la plus grande partie, vous devez passer par Campus France, mais aussi il y a des universités qui ne sont pas associées à Campus France. Et aussi parmi les 80%, il y a des universités qui sont en même temps associées à Campus France et qui sont aussi individuelles. C'est-à-dire que vous pouvez postuler pour avoir une admission via Campus France ou bien postuler aussi pour avoir une admission directement dans l'université. Voilà, donc ce qui fait que sinon dans les normes, c'est d'abord Campus France et lorsque vous avez maintenant l'admission, vous allez chercher la bourse avec quoi? Avec Campus France. Voilà. Mais ici, il y a des universités que vous pouvez postuler directement à l'admission et aussi postuler pour leur bourse. Voilà, donc ici, je suis là pour vous présenter une bourse de France. Voilà, et c'est à l'université de Grenoble. Et là-bas, c'est une bourse aussi. Et cette bourse, je vous dis en même temps, elle est destinée pour les masters. Donc, voilà, donc l'université de France, Grenoble, bourse de masters. Donc, pour pouvoir postuler à cette bourse, d'abord, les éléments dont vous avez besoin, c'est toujours identique. Voilà. Et vous devez avoir comme ça le passeport, après ça, le diplôme, votre diplôme de licence plus le relevé. Voilà. Et lorsque vous allez finir d'avoir ces documents-là, vous allez maintenant chercher à postuler dans une faculté de l'université, voilà, vous postulez dans une faculté de l'université et lorsque vous postulez dans la faculté de l'université, n'oubliez pas, je vous dis encore, ces facultés là sont en anglais. C'est vrai que l'université c'est là-bas en France, mais vous allez étudier en anglais. Voilà, il y a des universités, il y a des facultés en français, mais c'est très rare. Donc c'est à vous maintenant de les trouver pour pouvoir postuler dans ces facultés là. Donc vous allez étudier en français et pour tous ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse, vous devez prendre des dispositions parce que, je vous répète encore, c'est pour le master's et vous devez avoir tous les documents. Et une fois que vous allez postuler dans une, dans une faculté comme ça, voilà, la faculté va d'abord analyser vos dossiers et vous reconduit pour une bourse. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a plusieurs types de bourses là-bas sur le site, mais vous devez choisir la bourse de l'IDEX, voilà, l'IDEX pour le master's. Et je répéterai bien, c'est pour le master's. Donc maintenant, en ce qui concerne les dossiers, c'est-à-dire les titres en anglais, voilà, vous devez par exemple comme ça avoir un certificat en anglais pour ceux qui veulent faire les études là-bas en anglais. Mais il y a aussi des facultés qui sont en français, donc pour ceux qui veulent vraiment étudier en français, c'est aussi possible. Voilà, et n'oubliez pas aussi ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que pour tous ceux qui veulent avoir un certificat d'anglais, c'est très simple. Vous pouvez aller sur Duolingo, voilà, vous pouvez avoir le certificat d'anglais. Voilà, et j'avais aussi décidé de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des cours en anglais sur Coursera. Donc ça sera pour une prochaine vidéo, voilà. Donc n'oubliez pas, c'est vraiment très important d'avoir au moins un certificat en anglais sur soi, parce que même si vous ne comprenez pas l'anglais, même si vous ne maîtrisez pas totalement, voilà, c'est très important d'avoir le certificat en anglais. Voilà, donc les gars, je vais tout à l'heure vous montrer sur le site comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir postuler à cette bourse. Voilà, et n'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu et puis aussi partager mes vidéos parce que c'est très important. Et les gars, à tout à l'heure. Site qui est là, voilà, c'est le site qui est là. Donc vous pouvez voir les éléments, le lien en commentaire ou bien en description. Donc dans un premier temps, je vous rappelle encore les éléments, vous allez étudier en anglais ou en français, mais la plupart des éléments
La plupart des facultés sont en anglais, donc ça sera à vous maintenant de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est la bourse IDEX. Voilà. Et ici, par exemple, si vous voyez les programmes que vous pouvez étudier, je vais venir là, programme. N'oubliez pas, dans un premier temps, vous devez d'abord vous abonner. Et lorsque vous vous inscrivez d'abord sur le site, et lorsque vous finissez de vous inscrire sur le site, vous pouvez maintenant commencer à postuler dans la faculté que vous désirez. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous montrer un peu les programmes qu'ils enseignent là-bas. Ça ne sera pas une longue vidéo, donc soyez un peu concentrés pour pouvoir mieux le faire. Voilà. Je vous rappelle très bien, c'est pas pour le bachelor, voilà, c'est pour le master's degree. Donc voilà, donc ici English Taught and International Graduate Program. Donc il y a plusieurs facultés que vous allez étudier en quoi? En anglais. Et il y a aussi français, mais la plupart du temps c'est en anglais. Donc vous voyez ici Polytech Grenoble, Polytechnic Engineering School. En français, vous voyez, ils ont mis in French en français. Voilà, donc vous pouvez prendre cela, ou bien si vous ne voulez pas, vous allez prendre maintenant masters ici, programme masters. Vous cliquez là, voilà, ça vient un instant. Un instant que ça charge, voilà. Ça va venir tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit, vous allez d'abord vous inscrire sur le site. Et une fois que vous vous inscrivez sur le site, vous allez maintenant commencer à choisir la faculté. Et dans la faculté, lorsque vous allez cliquer sur la faculté, cela va vous diriger vers l'université, vers la plateforme de la faculté. Et de là-bas, vous pouvez maintenant chercher l'admission qui va vous conduire aussi à la bourse. Voilà, donc voici les masters. Si vous avez bien remarqué, ces éléments là sont typiquement et de façon totale des masters en sciences. Voilà, donc voici les masters et masters and degree talks in English. Donc ici on vous montre un peu les éléments qui sont étudiés en anglais. Donc on va essayer de voir quels sont les voici les masters qui sont étudiés en anglais. Masters en sciences industrielles, mathématiques et tout ça, c'est en anglais. Et voici les masters qui seront en français, c'est ici. Ici, les masters qui seront en français. Et l'ingénierie aussi, un degré français. Voilà, donc c'est à vous de voir. Et voici les critères pour pouvoir postuler. Le master's is 2 years, 4 semester course. Master's 1, assessing to students who have completed a bachelor. The admission criteria for master 2, second year is a master 1 or equivalent qualification. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le master 1 c'est pour ceux, c'est normal, hein, c'est pour ceux qui ont la licence. Et le master 2, pour ceux qui ont fait le master 1, qui veulent faire le master 2, c'est possible. Voilà, vous pouvez postuler aussi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comme je vous avais dit, si vous voulez d'abord vous inscrire sur le site, vous allez d'abord venir là. Voilà, vous allez vous inscrire sur le portail. Et de là-bas, vous allez maintenant chercher à postuler à la bourse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, si je veux faire celui-là, master's en industriel et mathématiques appliquées, je clique dessus. Cela m'envoie à la faculté qui enseigne cette matière. Voilà. Et vous allez voir là-bas comment est-ce que vous allez faire pour avoir l'admission. Il y a plusieurs choses, vous voyez. Il y a plusieurs choses ici. Donc, l'admission 2021-2022, comment est-ce que vous devez faire et tout ça. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse, si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter. Who should apply? To be admitted to the program, candidate must have previously completed the undergraduate study and been advanced in a bachelor degree in mathematics or applied mathematics or equivalence. Donc, application progress ici. Maintenant ici, if you need assistance, contact. Si vous voulez, si vous, si il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez contacter.